Bonjour tout le monde, c'est Alexis pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, on continue les vidéos sur les serveurs dédiés et on va apprendre à mettre en place un système de backup automatique. Donc qu'est-ce qu'un système de backup automatique? Ben, c'est un système qui va nous permettre de sauvegarder automatiquement, tous les jours, tous nos fichiers importants de notre serveur dédié, donc c'est-à-dire tout ce qui est fichier de configuration, site internet, base de données, email, vers un serveur FTP distant que nous fournit gratuitement OVH. Si vous êtes chez un autre hébergeur, je suppose qu'il vous fournit aussi un FTP de backup, puisque c'est quelque chose d'assez important. Mais si vous êtes chez OVH, ben vous avez accès à un FTP de backup de 100 gigaoctets. Donc en avant. Donc vous commencez par vous connecter sur votre serveur dédié avec SSH. Dans mon cas, c'est déjà fait. Ensuite, on va installer le logiciel de backup. Donc apt-get install backup manager. Donc backup-manager. Pendant l'installation, on aura besoin d'indiquer quelques choix. Donc le premier choix, en fait, c'est le dépôt des archives. Donc ça va être l'endroit où vont être situées toutes les archives de nos sauvegardes. Donc par défaut, c'est slash var slash archive. Donc je vous conseille de laisser ça par défaut. Ensuite, vous devez préciser l'utilisateur qui va être propriétaire de ce dépôt. Donc par défaut, c'est root. L'avantage du root, c'est que personne d'autre n'y a accès. Donc je vous conseille de laisser ça aussi. Idem pour le groupe. Ensuite, vous avez la liste des répertoires à archiver. Donc moi, je vous conseille d'archiver slash etc pour tout ce qui est fichier de configuration, slash home pour tous nos sites internet. On peut également archiver d'autres répertoires, donc par exemple slash var, slash lib, slash MySQL pour tout ce qui est base de données, configuration MySQL, slash var, slash 3W si vous avez des sites internet dans ce répertoire-là. Slash var slash mail si vous avez des emails à cet endroit là et également slash var slash spool slash vmail pour sauvegarder les emails qu'on avait configurés dans la vidéo numéro 4 avec postfixed. Ensuite, bon, si vous souhaitez ajouter des répertoires, vous pouvez, mais déjà avec ça, c'est une bonne base. Vous appuyez sur entrée et on patiente pendant que le logiciel s'installe. Voilà, donc le logiciel s'est installé. On peut modifier le fichier de configuration. Donc vous pouvez faire un vi de slash etc slash backupmanager.conf. Donc faites attention, cette fois-ci, il n'y a pas de dossier backup manager. Le fichier de configuration est directement dans slash etc. Voilà. Et on va regarder un peu les différentes options qu'on nous propose. Donc on retrouve le répertoire où vont être archivés tous nos sauvegardes. Donc slash var slash archive. Ici, en fait, ça précise si vous souhaitez sécuriser votre dépôt en le donnant à root. Comme ça, seulement l'utilisateur root pourra avoir accès à ces fichiers-là, ce qui est une bonne chose. Ici, vous avez le chmod des différents fichiers du dépôt. Donc, je ne vous conseille pas de le modifier, à part si vous savez ce que vous faites. Encore une fois, des chmod pour sécuriser. Ici, vous avez une option qui s'appelle bm underscore archive ttl. Donc, en fait, c'est le nombre de jours que vont... que les archives vont être sous le serveur. Donc par défaut, toutes les archives qui vont être vieilles de plus de 5 jours vont être supprimées. Donc c'est pour éviter d'avoir des vieilles archives, parce qu'en fait, tous les jours, Backup Manager va faire une sauvegarde. Donc par conséquent, on va avoir 5 jours de sauvegarde, et tout ce qui est plus loin que 5 jours, on efface. Donc voilà, et si vous avez la méthode à utiliser pour les sauvegardes, donc par défaut, c'est tarball. Qu'est-ce que ça fait tarball? Ben, en fait, ça prend tous les répertoires qu'on a précisé de sauvegarder et ça les met dans une archive .tar. Et tous les jours, ça fait ça. Donc par conséquent, on a des archives en fait qui se répètent un peu parce que chaque jour, ça sauvegarde tout et par conséquent, ça prend de la place un peu inutilement. Vous avez aussi la méthode tarball-incrémental qui permet d'éviter ce problème. Donc en fait, par exemple, toutes les semaines, ça va faire une grosse sauvegarde. Donc ça va sauvegarder tout le répertoire dans une archive. Et les jours suivants, en fait, ça va faire une petite sauvegarde. Ça va seulement sauvegarder les fichiers qui ont été modifiés ou créés. Donc à vous de tester. Moi, je laisse par défaut tarball. Mais tarball-incrémental peut être intéressant. Ensuite, vous avez le choix d'encrypter les données. Donc on ne va pas le faire, ça. Ensuite, on a d'autres options qui sont intéressantes. Ici, on retrouve tous les répertoires qu'on souhaite sauvegarder. Donc avec la méthode tarball, ça va faire une archive de tous ces répertoires-là. Et avec tarball-incremental, une fois par semaine, ça fait une grosse archive. Et les jours suivants, ça fait des petites archives avec les fichiers qui ont été créés ou modifiés.
Ici, dans le BM underscore tarball underscore blacklist, je vous recommande d'ajouter, en fait, ça va blacklister les fichiers à ne pas sauvegarder. Donc, les fichiers à ne pas sauvegarder, c'est tous les fichiers volumineux. Donc, par exemple, tous les fichiers MP3, donc étoile.mp3. Tous les fichiers vidéo, donc étoile.avi, étoile.mp4. Tout ce qui est archive aussi, donc étoile.rar, étoile.zip, ce genre de choses. Donc, tous les fichiers volumineux en fait. Donc là, j'ai mis une petite liste non exhaustive. Donc, je vous conseille de faire une liste un peu mieux que moi. Parce qu'en fait, si vous avez bien remarqué, toutes nos archives vont être stockées dans slash var slash archive. Et si vous avez laissé, comme je l'ai fait, le partitionnement par défaut d'OVH, vous avez environ 10 gigas dans le répertoire racine. Et si vous sauvegardez tous les fichiers MP3, tous les fichiers vidéo, vous allez vite dépasser cette mémoire-là en fait, et ça va bloquer votre serveur. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, parce que vu que je possède des tutoriels vidéo, et en fait, il m'avait sauvegardé tous mes tutoriels vidéo dans slash var slash archive, et du coup, j'avais plus de place sur mon serveur, et j'arrivais même plus à me connecter en SSH. Donc faites très attention avec ça. Ça peut poser des soucis, hein, c'est important par la suite. Ensuite, on va préciser qu'on veut sauvegarder par FTP. Ici, vous retrouvez d'options qui correspondent en fait au tarball-incremental. Donc en fait, ici, ça précise qu'on veut faire une grosse sauvegarde pour le mode incrémental chaque semaine. Et ici en bas, une petite sauvegarde tous les jours. Voilà, donc on descend, jusqu'à arriver aux configurations des FTP. Donc ici, vous avez une liste des différents services que vous pouvez utiliser pour sauvegarder vos données. Donc nous, on veut utiliser le FTP, mais vous pouvez l'envoyer sur un serveur distant, par exemple avec SCP, avec SSH, avec AirSync, avec S3, qui est un service d'Amazon, qui est un peu à la mode en ce moment. Donc ici, dans BM underscore upload underscore méthode, vous allez mettre FTP. Voilà, on va descendre un peu. Donc ici, vous avez la méthode SSH. Et ici, on a la méthode FTP, ce qu'on va utiliser. Donc ici, dans BM Upload FTP User, ce que vous devez faire, c'est aller vous connecter sur votre manager et c'est OVH, pardon. Donc vous connectez. Donc vous connectez sur votre manager. Ici, vous sélectionnez votre serveur dédié. Vous allez vous placer dans Service. Comme ceci. Et ici en bas, vous avez un service qui s'appelle Backup FTP. Et vous allez devoir l'activer. Donc moi, je l'ai déjà activé. Et vous avez 100 gigas pour faire vos backups FTP. Donc une petite parenthèse là-dessus, c'est que ce serveur FTP-là, il est seulement accessible à partir du serveur dédié. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous connecter avec ces identifiants-là à partir de FileZilla, à partir de votre ordinateur. Vous devez obligatoirement vous connecter à partir de votre serveur dédié. Donc c'est une espèce de sécurité. Ensuite, vous allez recevoir un email avec vos logins, votre mot de passe et votre serveur FTP ici. Donc je vous conseille de mettre ça de côté et on va ouvrir la console. Je me suis trompé de console. On va ouvrir la console ici. Je vous conseille de faire comme moi. Ici, dans FTP User, vous copiez le login. On copie. On colle le login ici. Dans mot de passe, donc vous copiez le mot de passe et vous allez mettre ça dans le champ ici en bas, password. Et vous pouvez également copier le serveur FTP et aller le coller dans host ici en bas. Voilà. Ensuite, là c'est à peu près bon au niveau de la configuration du FTP. Ici en bas, bon, vous avez plusieurs options qui permettent de définir si vous souhaitez supprimer des archives automatiquement sur votre FTP. Donc par exemple les archives qui sont vieilles de plus de 5 jours. Ici en bas, vous avez des méthodes pour le S3. Et ici, vous avez une ligne que j'ai failli oublier qui est le BM upload FTP destination. Et vous devez mettre ici slash. Donc à quoi ça correspond cette ligne en fait? Ça précise dans quel dossier de votre serveur FTP distant vous voulez sauvegarder toutes vos archives. Donc nous, on va l'enregistrer à la racine du FTP distant. Et vous avez une dernière ligne qui peut être intéressante, c'est le BM underscore post underscore backup command. Donc je vais essayer de le trouver, ça va être vers la fin du fichier.
c'est ici, la dernière ligne à peu près. Et en fait, ici, vous pouvez préciser le chemin vers un script qui va s'exécuter à chaque fois que la sauvegarde va être terminée. Donc, par exemple, vous pouvez générer un script qui va vous envoyer un email pour vous indiquer que la sauvegarde a été faite. Donc, je ne vais pas le faire dans la vidéo, mais vous avez de la documentation sur Internet. Je sais que le site de Alza Création propose un tutoriel avec un script en PHP qui permet de nous envoyer un email avec la liste de tous les fichiers qui ont été sauvegardés. Mais je ne vais pas le faire dans la vidéo parce que c'est pas très important. Donc une fois que c'est bon, ça, vous devez, parce qu'en fait par défaut avant les vieilles versions de Backup Manager se lançaient automatiquement tous les jours. Maintenant c'est plus possible, il faut qu'on le fasse manuellement. Donc vous allez vous placer dans le dossier cron.daily, donc cd /etc/cron.daily, et on va créer une tâche cron pour que notre backup se fasse tous les jours. Donc pour cela, vous devez faire vi backup-manager. Donc on va créer un fichier backup-manager, comme ceci. Et ensuite, vous devez copier-coller ce que je vous propose ici, comme ceci. Et en fait, ce petit bout de code va exécuter tous les jours, va s'exécuter tous les jours, et ça va faire une sauvegarde de nos différents fichiers. Donc je vous fournirai ce bout de code sur le site, hein. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Bon, c'est pas très compliqué, on déclare le chabang, on fait un petit test et on lance le backup manager. Donc on enregistre. Ensuite, vous devez donner des droits particuliers à ce fichier là. Donc vous faites un chmod et on va donner les droits 751 sur backup manager. Si je fais un ls-l de backup manager, vous remarquez qu'on a donné les droits d'exécution ici au groupe, et on a donné les droits de lecture exécution, enfin on a donné les droits de lecture exécution en groupe et les droits d'exécution à tous les autres utilisateurs. Voilà, donc la configuration de backup manager est terminée. Ce que je vous propose de faire, c'est de lancer la commande backup manager, de patienter pendant que les fichiers se génèrent. Donc moi ça existe déjà parce que j'ai déjà refait le tuto, mais bon, normalement chez vous ça n'existe pas. Vous pouvez faire un ls de /var/archive pour vérifier que vous avez bien vos différentes archives. Donc vous avez une archive .tar.gz pour chaque dossier que vous avez souhaité sauvegarder. Donc etc, home, varlib, etc. Et vous pouvez vous connecter en FTP sur votre serveur de backup à partir du serveur. Je vais vous montrer comment on fait pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc vous tapez FTP. Et vous allez choisir l'host du FTP, donc c'est la dernière ligne dans l'email, ici. Vous tapez FTP ça, voilà. Vous mettez ensuite votre login, suivi de votre mot de passe. Donc login, entrée, vous mettez le mot de passe. Mince, là, je suis trompé. Je suis obligé de faire des copier-coller manuels avec le terminal, c'est un peu embêtant. Vous pouvez faire un ls. Et vous avez ici toutes vos différentes sauvegardes qu'il y a ici. Donc, particularité sur le serveur FTP de backup, je vous ai dit, on peut se connecter au serveur FTP de backup qu'à partir de votre serveur dédié. Vous ne pouvez pas vous connecter à partir de FileZilla sur votre ordinateur. C'est une sécurité, c'est tout à fait normal. Voilà. Et voilà un peu comment fonctionnent les backups FTP. Donc vous pouvez également faire ça sur votre ordinateur avec Ubuntu, par exemple, ça fonctionne aussi. Mais vous devez configurer un autre serveur de FTP, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ce que j'explique pour le serveur dédié, là, vous pouvez également le faire pour votre ordinateur personnel. Donc voilà pour ce tutoriel, donc j'espère que ça vous aura plu, j'aurai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le blog via les commentaires. Je vous invite également à partager ces articles sur Twitter ou sur Facebook si vous l'avez apprécié. Parlant de Facebook, ben vous pouvez également rejoindre la page Facebook, donc facebook.com/tutorielvideo. On est déjà quasiment 350. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser sur Facebook, donc généralement j'y réponds un peu plus vite que sur les commentaires. Et je vous invite également à vous abonner au flux RSS du site si vous souhaitez rester en contact. Donc vous cliquez ici sur la petite icône article et vous pouvez vous abonner avec un agrégateur comme NetVibes. Comme ça, à chaque fois que je ferai un article, vous serez au courant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis avec ce tuto et amusez-vous bien avec vos serveurs. Bonne chance!